Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre le bouton de retour sur iPhone. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour commencer dans les réglages, tu vas défiler jusqu'à accessibilité, sur quoi tu vas cliquer. Et ensuite, là, parmi toutes tes options d'activité, tu vas cliquer sur toucher, qui est sur la section physique et motricité. Et donc là, tu vas tout simplement activer Assistive Touch. Et puis là, tu vas accepter pour permettre Assistive Touch. Donc là, sur la page d'Assistive Touch, tu vas cliquer sur Simple toucher. Et ensuite, parmi toutes ces options, tu vas sélectionner l'option de retour en arrière. Alors, cette option est disponible sur la dernière version d'iOS. Donc, tu vas te rassurer de mettre ton iPhone à jour pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, tu vas tout simplement ressortir une fois l'avoir réglé. Et donc, en cliquant tout simplement sur l'Assistive Touch que tu peux apercevoir là, tu observeras un retour en arrière sur les pages. Et c'est aussi simple que ça.